Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver nombreux pour suivre ce journal dont voici tout de suite les titres. Forte présence militaire autour du centre interdiocésain à quelques heures de la signature probable de l'arrangement particulier, signature annoncée, vous vous en souviendrez, il y a une semaine par les évêques médiateurs. Mais l'incertitude règne autour de la conclusion des négociations du centre interdiocésain pendant que le rassemblement se dit prêt à déposer le nom du futur Premier ministre. La majorité présidentielle en exige encore et toujours la présentation de 3 candidats Premier ministre. Invité de ce journal, Freddy Mulumba Akabwayi-Bondo, directeur de publication du magazine Renaissance. Bonsoir. Bonsoir, Freddy. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens à vous dans un petit instant. Sauf changement de dernière minute, la signature de l'arrangement particulier pourrait intervenir ce soir, si on en croit la médiation, mais à quelques heures de la fin des travaux, toutes les voies qui mènent vers le centre interdiocésain sont hautement sécurisées ce lundi. Des policiers en grand nombre sont postés au niveau de l'ISP Gombe, de la Banque centrale du Congo, à la place des évolués et au ministère des Affaires étrangères. Ces hommes en uniforme surveillent de près tous les mouvements suspects pour empêcher ainsi l'accès au centre interdiocésain des personnes qui seraient ou qui sont supposées indésirables. Ne signeront pas l'incertitude autour de la conclusion des négociations du centre interdiocésain bute encore et toujours sur des intransigeances qui, à l'évidence, font les affaires de toutes les parties prenantes, annoncées en fanfare et trompette par le vice-président de la CENCO il y a une semaine. La signature du texte de l'arrangement particulier prend en tout cas de plus en plus l'air d'un serpent de mer, à moins d'un ravinement de dernière minute. Mouine Mouroufel. L'espoir suscité par la déclaration du vice-président de la CENCO il y a une semaine, selon laquelle l'arrangement particulier annexe à l'accord du 31 décembre devait intervenir ce lundi 27 mars, est en voie de s'envoler. Jusqu'aux petites heures de ce lundi matin, les négociateurs n'étaient toujours pas en mesure de dégager un consensus autour de l'épineuse question du chef de la Commission nationale de suivi de l'accord. Quoi qu'ils soient parvenus à s'accorder sur le partage des postes ministériels, et l'enjeu est de taille. Collé sur mesure à la dimension politique d'Étienne Tshisekedi naguère, la donne a changé après la disparition de ce dernier. Des voix s'élèvent à présent en faveur de la suppression pure et simple de cette structure de trop dans un mécanisme transitoire déjà financièrement exsangue. Il reste cependant que seul Joseph Kabila a toutes les cartes en main. En tant que garant de la nation, il lui appartient d'écouter toutes les tendances politiques et sociales. En clair, rien ne lui interdit de recevoir des propositions relatives à la nomination d'un Premier ministre, qu'elles viennent de RASOP Olengankoy, Lumbi ou Mayombe, tous signataires de l'acte fondateur du RASOP à Genval. Se prévalant de son pouvoir discrétionnaire, Kabila est tout à fait fondé à se choisir un Premier ministre qui ne serait pas nécessairement celui supposé avoir été désigné par feu l'ancien président Tshisekedi. Autre défi de taille, le ballottage dans lequel se trouve embourbé le RASOP. La désignation à sa tête de Pierre Lumbi est loin de faire l'unanimité. L'ancien conseiller spécial du chef de l'État, parti en dissidence il y a moins de 2 ans, fait face à une fronde qui s'étend au sein de toutes les oppositions. D'où la nécessité, soutient-on, de rebattre les cartes en vue de trouver un consensus autour d'une autre personnalité qui ne traînerait pas de casseroles et en embuscade, par exemple, Vital Kamerhe de l'UNC ou même F. Bazaïba du MLC. Sans compter qu'il se trouve parmi les évêques des prélats aux dents longues qui ne verraient pas de mauvais œil que le CNSA leur revienne au nom d'une société civile dont ils se sont toujours réclamés. Qui ne traînerait pas des casseroles. Un commentaire de Mouine Mouroufel.
La majorité présidentielle était cet après-midi en conférence de presse. La plateforme au pouvoir exige la présentation de 3 candidats premiers ministres. Pour la famille politique du chef de l'État, le poste de président du Conseil national du suivi de l'accord n'est pas un acquis du rassemblement. Rachel Kitita, Doudou Kassouba. S'il y a blocage, c'est de la part du rassemblement et non pas de la part de la majorité présidentielle. Comme cela a été dit et répété plusieurs fois, le poste de président du Conseil national de suivi ne revient pas automatiquement au président du Conseil des sages du Rassemblement. Non, 3 fois non. Ce poste a été confié au président Tshisekedi et non pas au Rassemblement. Non, la majorité ne dit pas qu'on doit renégocier l'accord. Cette clause de l'accord qui dit que le CENSA sera présidé par le président du Conseil des sages a été rédigé après qu'on ait accepté l'attribution à M. Tshisekedi. Un petit tour dans le rue de Kinshasa pour savoir ce qu'en pensent certains Kinois. Le palais n'est pas représentatif, ce n'est pas un sondage. Hermène Yanvou, Sambizola et Jires Chimanga. Les évêques avaient annoncé la signature de l'arrangement particulier pour ce lundi 27 mars 2017. Mais les violences sont loin de s'accorder entre le parti prenante. Certains Kinois appellent les délégués aux travaux sur l'arrangement particulier de signer ces documents censés concrétiser la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre pour l'intérêt de la nation. Je crois que tout le monde avait déjà fourni un effort pour qu'après l'échec des 10 ans, qu'on se mette sur la même table. Vous comprenez ? Et on s'est donné une année pour la préparation effective des élections. Mais, de l'autre côté aussi, on ne dit pas que nous tous, nous devons être des politiciens. Il y a des gens qui se prennent comme la majorité présidentielle, par exemple. Ils se prennent comme les extraterrestres, ils veulent tout pour eux. Et il y a des concessions qui doivent se faire de part et d'autre. Mais, et là, on touche à un ministère, ça c'est pour nous. On touche à ça, ça c'est pour nous. Mais ils veulent quoi? Ma réaction par rapport à ça, moi je ne comprends pas. C'est le problème de l'AMP. C'est l'AMP qui fait des retardements sur la problème politique de la CENCO, puisque dans notre pays, l'AMP veut toujours prendre toujours le pouvoir en main et veut toujours résister au pouvoir. Vous savez bien que moi, que l'AMP joue au pompier, au pyromane. C'est le président Kabila qui a demandé à la CENCO de récupérer les autres politiciens qui n'ont pas pu participer au dialogue de Kanchachi. Maintenant que les autres ont accepté de se joindre à eux pour qu'afin qu'ils trouvent un terrain par rapport à tout ce qu'ils ont fait durant les 10 ans qu'ils ont passé. Mais voilà que c'est l'AMP qui complique toujours les choses. Je pense que la patience, nous attendons à la fin qui va justifier les moyens, mais la patience est là, nous attendons les résultats. Et que les résultats soient bons. Nous sommes des chauffeurs de taxi-même. Concernant les cas là, vraiment, pour moi, j'insiste pour dire que je ne suis pas concerné. Concernant les CENCO, bon, ce sont les travaux de CENCO. Il pourra travailler derrière même pour son air intérêt, mais moi, réellement, je suis là pour mon travail. Entre-temps, la majorité présidentielle campe sur sa position. La plateforme au pouvoir exige au rassemblement de déposer la liste de 3 noms. Côté rassemblement, un nom ou rien. C'est la CENCO qui est responsable de l'échec. C'est
l'AMPE qui est responsable de l'échec. Toujours est-il que le vice-président de la CENCO a été très très sévère à l'endroit des hommes politiques. Quel est votre avis par rapport à sa déclaration de la semaine dernière? Oui, je pense que, M. Kibambi, le Congo reste un cas à part. Il faut dire que ça fait 56 ans, on n'a pas renouvelé notre classe politique. Donc on se trouve avec trois catégories de classes politiques. Vous avez la première catégorie, ce sont des gens qui étaient à l'école des Blancs, coloniale. On nous a appris, quand ils accèdent au pouvoir, il faut servir les maîtres, donc la Belgique et l'Occident. Vous avez la deuxième catégorie de la classe politique, ce sont des mobutistes. Ce sont des gens qui ont tout hérité de la colonisation. Il y avait beaucoup, tout marchait bien, il y avait beaucoup d'argent. Ils ont tout dilapidé. Je peux dire, entre guillemets, des jouisseurs. Maintenant, vous avez la troisième catégorie. Ça, c'est ce que M. Laurent Kabila a appelé conglomérat d'aventuriers qui sont arrivés. Donc, trois catégories se retrouvent ensemble. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut renouveler la classe politique. Mais c'est capital. Oui. Après toutes ces années, il faut incriminer la colonisation, c'est trop facile, non? Ils nous ont appris à réfléchir, à disserter, à nous maintenant de prendre notre destin en main, non? Non, je pense qu'on est entré dans un autre processus, un processus historique. En 60, donc avant 60, on s'est battu pour avoir l'indépendance. Quand l'Occident, la Belgique pour notre cas, on a donné l'indépendance politique. Et tout celui qui doit passer doit être d'accord avec eux. C'est comme ça qu'on a éliminé Lumumba, on a mis les Mobutu. Et l'indépendance économique a été laissée de côté jusqu'à aujourd'hui. Donc, toute l'économie sont contrôlées par les entreprises occidentales en complicité avec quelques frères noirs, la petite bourgeoisie comprador. Ce qui fait que ça fonctionne. Donc, nous sommes arrivés à la fin du cycle. Maintenant, on amorce ce que je peux appeler l'émancipation économique. C'est ce qui va se passer. Donc, il faut déjà préparer notre peuple, les élites intellectuelles, la classe politique, pour savoir qu'on va être confronté à des difficultés énormes parce que ceux qui sont habitués à gérer le Congo, nos richesses, ne vont plus accepter de vous laisser ça. D'où il y aura des guerres. Ce qui se passe à la CENCO, peut-être vous voyez, ce sont des Congolais qui se battent, ce ne sont pas des Congolais. Tout le monde porte des masques. C'est comme ça que ça bloque. Vous voyez vous-même, ça fait 3 mois. Je reviens à vous dans un petit instant à la fin de ce journal. À l'université Kinshasa, la coordination estudiantine a clôturé le mois de mars, mois dédié à la femme avec beauté. Une conférence débat a été organisée à la colline Inspirée. La conférence avait pour thème « Indépendance et compétences de la femme africaine au service du développement durable de son pays ». Ange Makadi, Emery Tangou et Théodore Tchitolé. Exploiter pleinement les potentiels de la femme est nécessaire pour un développement durable. Raison pour laquelle les intervenants à cette conférence ont émis les vœux de voir la femme s'impliquer davantage pour la parité 50-50 pour un travail décent. Bon, j'ai parlé un peu de l'évolution du combat de la femme en RDC, qui est aussi un pays africain. C'est comme ça que j'ai essayé d'écrire un peu les étapes. Hein. La première étape, c'est l'émancipation, hein, qui avait comme corollaire la représentativité de la femme. Et puis nous sommes passés au genre, le genre qui a comme concept principal la complémentarité de l'homme et de la femme. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la parité. Cette parité-là, parce que ce sont les trois concepts qui se recoupent, hein, donc la parité a aussi, de l'homme et de la femme évidemment, a aussi ses corollaires, c'est-à-dire la compétence, la compétitivité et la méritocratie. Odette Kamon Mukaz, commissaire divisionnaire adjointe de la police nationale congolaise de Kinshasa, a saisi l'opportunité pour partager son expérience aux jeunes femmes en vue de les motiver. La promotion étudiantine veut aussi accompagner la femme. Et voilà pourquoi nous sommes engagés à la sensibilisation
à diffuser les informations afin que la femme ne se sente pas seule, mais au moins que la femme se sente encouragée, soutenue par l'homme. Les participants, quant à eux, saluent l'initiative et promettent de relayer la sensibilisation. J'exhorterai les filles à se mettre à l'œuvre, à ne pas désespérer, surtout les dire qu'elles sont compétentes, qu'elles doivent s'affirmer et qu'elles doivent égaler l'homme sur tous les domaines parce que, et oui, elles sont compétentes. La communauté famille chrétienne a également clôturé ce même mois de la femme. La structure a organisé une conférence sous le thème « Le travail de la femme au foyer pour une juste appréciation ». C'était le week-end dernier à la Gombe. Anita Kangoudia, Fanny Kikoufi et Serge Mitelesi. Toutes étaient accompagnées de leurs conjoints, les femmes de la communauté famille chrétienne. Femmes au foyer et celles qui travaillent ont retrouvé une certaine estime dans leur rôle de mère grâce à cette journée sous le thème « Le travail de la femme au foyer pour une juste appréciation ». Je voudrais dire à toutes ces mamans qui peut-être envient celles qui travaillent de savoir que leur travail, c'est un travail noble. Être femme au foyer n'est pas un travail banal, un travail facile, c'est un travail difficile. Les hommes, eux aussi, n'ont pas manqué à dire. Nos femmes qui ne travaillent pas, elles ont joué un rôle dans le monde de la liberté. D'abord, le fait que nous avons un c'est un travail. Je ne suis pas ménagère, c'est un travail. Donc, nous avons négligé Bangote. Pas considéré bango, donc on l'a battu par ça la caca. Au contraire, bango ne va pas ça bango sur ma coquille à mingi pour pas ça sur ma mon salaire malam on a qu'à tenir d'accord. Oui, je l'aide bien entendu parce que dans notre couple, tout ce qui est tâches lourdes, ce qui veut dire transporter des choses qui pèsent, faire des tâches, de temps en temps, je l'aide pour faire la vaisselle s'il le faut quand elle est fatiguée. Comme à Kinshasa, l'eau des fois pose problème. C'est moi qui me charge de la corvée de nuit pour puiser l'eau. Et voilà, c'est un peu... Il y a des tâches, je ne peux pas tout énumérer d'un coup, mais il y a des tâches qui me sont réservées à moi et d'autres qu'elle, elle fait. La journée s'est clôturée par des réjouissances et remise des cadeaux des hommes pour leurs femmes. Pour une fois, le bien-être de mère est considéré comme important et même aussi important que celui des enfants. Numérica a eu sa façon d'encourager la femme. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus, en tout cas nos reporters sont allés à la rencontre de Christine Bassosila. Elle est administrative du budget à l'université de Kinshasa. Éducation rigoureuse, cette éducation rigoureuse de ses parents a permis à celle-ci de forger son caractère. C'est grâce à cela qu'elle fait marcher les affaires. Ange Bakadi, Théodore Chitolé. Elle est administratrice du budget à l'université de Kinshasa, où elle a su trouver sa place dans un milieu dominé par la gente masculine. Elle, c'est Christine Bassosila, originaire de Kisangani et détentrice d'une licence en droit à l'université de Kinshasa. Si j'ai commencé ma carrière à l'université de Kinshasa, je n'ai jamais travaillé ailleurs d'ailleurs. Alors j'ai commencé, j'ai été affectée à la direction de l'informatique. Après ça, j'ai été quand même nommée directeur, chef de service de cette direction-là. J'y suis restée pendant 10 ans. Et après cela, dans le mouvement d'ensemble d'ailleurs, hein, le mouvement de mise en place, j'ai été affectée à la faculté des sciences pharmaceutiques comme secrétaire administratif facultaire. Et voilà, depuis l'année passée, il a plu aux autorités de ce pays, plus précisément son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, de me nommer administrateur de budget de l'Université de Kinshasa, c'est-à-dire membre du comité de gestion. Résolument engagée dans la lutte pour l'égalité des droits et fière d'être congolaise, elle est obsédée par un rêve, l'épanouissement de la femme. Passionnée par son métier, Christine Bassosi la rassure que la femme est d'autant plus capable que l'homme.
Ce qui fait ma force, c'est d'abord, en fait, il faut d'abord être sûr de ce qu'on est, de ce qu'on a comme connaissance, et de comment on défend ces connaissances, et comment aussi ne pas dormir sur ses lauriers quand on a terminé les études universitaires. Il ne faut pas penser que c'est fini. Il faut de plus en plus continuer à apprendre, parce que l'apprentissage, c'est toute la vie. Et quand on est sûr de ses connaissances, lorsqu'on est sûr qu'on est compétente, et puis les gens vous combattront toujours. Mais c'est seulement c'est votre travail qui sera toujours apprécié. Vous voyez, donc c'est comme ça que moi j'ai toujours donné ce message-là, que dans la parité, il y a des concepts qu'il faut nécessairement que la femme puisse intérioriser, notamment la compétence. Malgré les difficultés rencontrées au cours de son parcours, elle a su rester déterminée et confiante. Christine Bassosila est la troisième femme à intégrer les comités de gestion de l'Université de Kinshasa depuis sa création. Autre chose maintenant, on a célébré une autre journée aujourd'hui, lundi 27 mars. C'était la journée mondiale du théâtre. En marge de cette célébration, la Compagnie du Théâtre National a organisé le week-end dernier une journée porte ouverte dans la salle Mongita dans la commune de Kinshasa. Au cours de cette rencontre, le représentant du ministère de la Culture et des Arts a procédé au vernissage du CD vidéo intitulé « Au nom du peuple », une vidéo qui raconte les méfaits de la justice congolaise. Félix Ilunga, Eric Kalambaye, reportage. En véritable vecteur de la culture, le théâtre classique se meurt à petit feu en République démocratique du Congo et cède la place au théâtre populaire. Le théâtre élitiste se distingue par l'unité de temps, de lieu et d'action. Il s'agit du théâtre qui met l'homme au centre de tout. À l'occasion de la 55e commémoration de la Journée mondiale du théâtre, le directeur de cabinet du ministère de la Culture et Arts a reconnu malheureusement que le théâtre classique au Congo-Kinshasa est en hibernation. Les faiseurs du théâtre ne bénéficient plus des subventions. Pourtant, les Kinois adorent le beau spectacle. Dans chaque commune de Kinshasa, il existe au moins une compagnie de théâtre amateur. Les théâtres élitistes ont presque disparu sur les écrans. Vers les années 80 et 90, le théâtre congolais avait brillé de mille feux avec les troupes Rokado Zulu Théâtre et la troupe artistique Ngunga. Talonné ensuite par Sony Laboutansi, des efforts ont été fournis en vue de faire renaître le théâtre classique, mais en vain. Selon le directeur général du Théâtre national congolais, la renaissance exige des gros moyens. En dépit de leurs moyens, les artistes tentent de produire des scènes pour égayer le public. C'est le cas du Ballet National avec son spectacle Ngando ou Crocodile. En 1961, la Journée mondiale du théâtre est un cadre qui vise à encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des arts de la scène, stimuler la création et élargir la coopération entre les hommes du théâtre. Commentaire de notre invité. Je pense que les théâtres, c'est bon, mais voyez un peu, on montre que les méfaits de la justice, c'est vrai, ça existe. Il ne faut pas donner beaucoup d'importance sur ça. Par contre, il faut aussi montrer beaucoup plus
ce qui marche. Il y a quand même des côtés où c'est positif. Comme ça, on peut construire un monde, un espoir. Mais quand vous dites tout ce qui ne marche pas, en tout cas, la construction de l'imaginaire va toujours du côté du mal et ce n'est pas bon. Vous avez dit, il faut aussi montrer. Donc, il faut équilibrer. Montrer oui. Et ce qui ne marche pas et ce qui non, marche. Il faut beaucoup plus ce qui marche parce qu'on doit construire l'imaginaire du peuple. On ne construit pas l'imaginaire avec des exemples, avec des échecs. Ça ne marche pas comme ça. En sport, des matchs à valeur de finale avant la lettre, le dimanche 2 avril, en ouverture des play-offs du championnat national, ces combinaisons se dégagent du calendrier de cette phase classique rendue publique samedi dernier à l'issue de la réunion préparatoire entre le comité exécutif de la LINAFOOT et les représentants de 8 clubs sociétaires. Paul Kazozo. Pour cette réunion tenue à huis clos, Jeff Capondo et tout son staff de la LINAFOOT étaient en réunion avec les représentants des 8 clubs engagés au play-off. Après la réunion, dans une conférence de presse, Jeff Capondo était soumis aux questions des journalistes, à l'exception des rencontres de la première journée programmées le 2 avril, c'est-à-dire à la même date. Toutes les autres rencontres sont quasiment dispersées et Jeff Capondo s'en explique. Nous avons utilisé la clé de 8. Nous avions procédé comme dans les autres instances, la CAF, la FIFA. Et on a placé les équipes. Donc, ce n'est pas nous. Nous avons tenu compte et du classement et de la formule en utilisant la clé de 8. Et ça nous a produit ce calendrier-là. C'est simple et tout le monde peut le faire, même en étant chez lui. Donc, ce n'est pas une cogitation du comité de gestion de la LINAFOOT. Cette dispersion de dates des rencontres paraît avantageuse pour certains clubs aux dépens d'autres. Neni rassure Jeff Capondo. Il fallait intégrer aussi les horaires des avions. Et vous constaterez que par rapport au positionnement, puisque c'est ce qui nous importe, par rapport au positionnement, il fallait d'abord qu'on respecte la clé pour ne pas tricher. Tout ce sera donc au fil des rencontres comme celle du 2 avril, prévue le même jour pour le compte de la première journée. Mazembe contre Derrick Lomoté à Pemba Lubumbashi, sans balader face à V Club en Bougimaï. Deux rencontres à valeur de finale avant la lettre. Mais il y a aussi ces oppositions entre Don Bosco et Mungano, ainsi que Bukavu Dawa et Renaissance du Congo. Mais des interrogations tout de même, la date du départ est connue, mais pas celle de la clôture. Entre les 28 et les 31, date de la fin de la saison, 12 rencontres resteront encore en souffrance. Parlons un peu musique à présent, ou si on peut dire. Moïse Mbillé, ce chanteur et pasteur responsable de l'église Cité Bethel, son nom défrait la chronique depuis le week-end dernier et pour cause, quelques internautes qui s'intéressent à la musique auraient détecté, j'insiste, dans sa dernière œuvre, des messages subliminaux évoquant des esprits pas chrétiens. Pour découvrir ces esprits pas chrétiens, peut-être ne faudrait-il pas non plus être pas chrétien. D'autres internautes sont allés jusqu'à détecter dans ces clips vidéo des gestes jugés aussi bizarres. Que se passe-t-il vraiment avec l'artiste? Tentative de réponse dans ce commentaire d'Abouine Dimouadi. Serait partie des paroles d'une des chansons de l'album de l'artiste. Hero, c'est parmi les albums qui font rage actuellement avec des chansons à succès. Parmi elles justement, le titre Tango Naye. C'est dans cette chanson que quelques personnes auraient détecté une sorte de message subliminal renvoyant à l'invocation d'un esprit maléfique. Mis sur les nets, tout est alors parti. Le week-end sur les réseaux sociaux, la nouvelle a circulé à la vitesse et l'ampleur dont seule la toile dispose. Résultat, les pasteurs-chanteurs est au cœur d'une polémique qui jusqu'à ce lundi alimentait bien des causeries et discussions un peu partout.
D'autres personnes aux intentions pas du tout connues ont rajouté une couche. On aurait aussi repéré dans l'équipe de l'artiste des gestes suspects qu'il identifierait à un certain groupe. Depuis, on n'a pas entendu une seule déclaration de l'artiste dans un média quelconque. Mais il nous a suffi de faire un tour sur le net pour découvrir la réaction de l'artiste, chanteur, pasteur. Sur sa page Facebook, Moïse Mbillé a déclaré, je cite, « C'est quoi, Guégué? Encore une fois, le diable a échoué. On sert un grand Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand il descend, l'opposition s'échange en soumission. Il fait en son temps. » En bref, l'homme considère ces accusations infondées et associe cela à une invention de ses détracteurs ou alors aux ruses du diable avant d'inviter le sien à partager sa réaction. C'est dit, réaction de l'artiste, pasteur Moïse. Après le potentiel où Freddy vous avait fait la pluie et le beau temps, maintenant c'est la renaissance africaine. Vous voyez là la une du dernier numéro, c'est un magazine, il est mensuel, mais dans quel sentiment avez-vous quitté le potentiel, le déchirement peut-être, parce que c'est là que vous avez fait vos premières armes journalistiques, parce que je sais que vous avez fait des études de politique, etc. C'était un déchirement. Non, je pense que j'ai fait mon temps. Il y a des circonstances que chaque fois, parce que je n'ai pas voulu que mon départ du potentiel crée des polémiques. Je sais qu'il y a eu beaucoup de pression du monde occidental sur mon discours contre la balkanisation. Ils n'en voulaient pas. Donc, je n'aime pas entrer en détail. Ce sont des choses entre grandes personnes. Je suis parti, je vois Modeste Moutinga, on se parle, on mange ensemble. Je pense que c'est ça l'essentiel. C'est vrai, c'est ça l'essentiel. Quelles sont les trois choses que vous reprochez à la classe politique? Trois, je vous demande seulement trois. Et que vous reprochez à cette classe politique qu'il faut renouveler d'après vous. Et vous n'êtes pas le seul. Oui, je pense que quand je parle de renouvellement, il faut renouveler aussi les discours. Mm-hmm. C'est le contenu. Mm-hmm. Regardez pendant tout le temps ici, depuis qu'on a parlé de la démocratisation, les discours, c'est bonne gouvernance, c'est démocratie, maintenant c'est alternance. Mais dans ces discours, il y a un vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Quand vous demandez ce que vous parlez d'alternance, et après vous allez faire quoi? Donc je dis qu'il faut reconstruire un nouveau discours qui est lié, qui tient compte de la réalité de la société. Aujourd'hui, ça fait 20 ans à peu près, nos enfants ne partent pas à l'école. Il y a beaucoup de lettrés. On va manquer les lits. Ce sont les problèmes de société qu'on devrait traiter. Les gens ne sont pas soignés. Vous partez en Mayemo, les larmes coulent. Je pense que quand on est élite, se poser la question, est-ce que réellement on remplit notre rôle d'élite? Ça, le fond du problème. Et deuxième chose, il faudrait que nos élites aient des visions. Il faut faire rêver. Ne pas élite parce qu'on a des diplômes. Il faut rêver le peuple. Avoir l'esprit de grandeur. C'est comme ça que les gens vont derrière vous et vous tracez les voies. Et la troisième chose, il faut libérer l'imaginaire. Il y a encore des gens, quand ils voient encore l'homme blanc, Muzungu Anasema, Muzungu Dieu Mungu, vous comprenez ça, soili. Donc il faut enlever tout ça et faire en sorte que les Congolais soient des hommes debout. Les blancs sont nos amis. Il faut qu'on respecte mutuellement. Ce n'est pas un dieu, c'est un humain. Donc il y a tout cet art de la colonisation qui nous pousse faut... aujourd'hui. Est-ce que nous, les journalistes, nous faisons bien notre travail pour enrichir peut-être ce discours? Non, je pense qu'il faut aussi recycler les journalistes. Vous avez fait votre temps, je pense que vous étiez bien formés. Quand on faisait le travail, tout le monde appréciait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est d'abord la presse, il y a beaucoup d'aventuriers, comme en politique, qui sont devenus des journalistes. Et la presse, je dirais, beaucoup plus commerciale. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas culturel en quelque sorte. Donc, pour moi, je pense que les journalistes doivent faire leur travail, mais il faut se recycler. Beaucoup sont dépassés. Parce que quand vous prenez notre presse le matin, honnêtement, on n'est pas fiers. Quand vous suivez nos télévisions, on n'est pas fiers.
On se comporte comme des politiciens. Donc, nous sommes tous issus d'une société malade. Donc, notre société est en crise. Donc, il faut, sur le plan culturel, un travail à faire. C'est tout le monde, hein, ce n'est pas seulement les politiques. Les religieux, les musiciens, tout le monde va participer à ce qu'on puisse un peu refaire notre société. Votre discours tend toujours à, comment je veux dire, à critiquer très sévèrement l'école occidentale. Mais vous et moi, nous avons été dans cette école. Et ayant été dans cette école, nous ne pouvons que reproduire ce que nous avons appris de cette école. Et donc, nous sommes, nous tous, dans ce piège. Comment en sortir? Oui, je pense que pour s'en sortir, il faut d'abord réformer l'école, réformer l'enseignement, réformer l'université. Et ça, c'est capital. Parce que nous tous ici, en dehors de la vie familiale, quand on a 6 ans, on commence à étudier. Il y en a qui entrent à 4-5 ans. Donc, on passe tout le temps, pendant 18 ans, 25 ans, sur le banc de l'école. Tout ce qu'on va emmagasiner comme connaissance, ça a un impact sur notre avenir. Mais qu'est-ce qu'on étudie? D'abord, on étudie ce que l'Occident a laissé d'abord sur le plan historique. Les gens connaissent beaucoup plus Napoléon, ils connaissent qui encore Charlemagne, ils ne connaissent pas Kimpavita, ils ne connaissent pas Kimbangu. Donc nous devons réformer notre enseignement, surtout sur le plan historique et histoire, et mettre les véritables Congolais qui sont battus comme des résistants. Et là, nos amis occidentaux ne veulent pas, parce qu'ils savent. Quand un peuple a une conscience historique, c'est un peuple debout. On préfère nous laisser dans cette confusion, comme on s'embrouille là. On a même oublié ce qui s'est passé il y a 20 ans du temps de Mobutu. Tu vois, par exemple, ce qui se passe à la Senko là. Mm-hmm. C'est la même chose qui s'est passé au temps de Mobutu avec l'histoire et alliés. Même acteur, même procédure. Donc on va s'embrouiller comme ça parce qu'on n'a pas un background historique. Il faut une mémoire. Quand vous connaissez votre histoire, vous évitez de commettre les mêmes fautes. Donc, dans les gestes de tous les Congolais, on retrouve le colonisateur, l'ancien colonisateur. C'est ce que vous voulez dire. Le système éducatif n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez normal un pays comme le nôtre? Notre propre histoire, on ne connaît pas. C'est anormal. Dans la plupart des pays d'Afrique noire, et quand vous partez là où on décide, donc ministère de culture, ministère d'enseignement, vous trouvez des coopérants, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est pour brûler les cartes. Moi, je pense que le moment est arrivé. Il y a des ministères, par exemple, là où l'éducation, on ne peut pas donner à n'importe qui. C'est ça le symbole de la nation congolaise. Vous ne donnez pas ça aux étrangers. Vous prêchez le recours à l'authenticité. Oui, on n'a pas d'autre choix. Regarde, on est tous docteurs, professeurs. Regarde dans quel état notre pays se trouve. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, non, je suis docteur en économie. Et c'est comme il fonctionne. Docteur en sciences politiques, regarde ce qui se passe à la CENCO. Ça prouve qu'on a étudié des choses déconnectées de notre société. Il faut retourner au village, être humble. Aller voir chez Moulouma Nyama comment les gens ont résisté. Aller voir Mouatayav, comment lui n'a pas une armée, n'a pas de missiles, mais tout le monde le respecte. C'est tirer ce que notre société, notre culture peut nous donner, moderniser en souffrant sur le monde. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais copier l'Occident, aveuglément comme on le fait, et puis on copie encore mal, il n'y a pas d'avenir. Vous avez eu beaucoup de mal pour faire ce journal? Vous dites? Vous avez eu beaucoup de mal, des difficultés? Non, je pense que le temps que j'ai passé au potentiel, ça m'a aidé beaucoup plus, aller plus vite. Oui. En fait, c'est beaucoup plus, il y a une partie un peu journalistique, l'autre aussi analyse et scientifique en quelque sorte. Je mélange les deux et je me retrouve très bien. Je pense que la plupart des gens qui écrivent font beaucoup plus d'analyses et de commentaires. Le politicien et le politologue se retrouvent? Non, je suis politologue, ce n'est pas politicien. Je suis journaliste et politologue. Oui. Mais ce n'est pas politicien. Ah non, mais je dis politologue. Exact, oui. Les journalistes. Oui. Voilà. Et en conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi, je pense que... Quel souhait? Le souhait, il faut que la presse congolaise se remette en cause. Parce que cette presse ne reprend que les discours des hommes politiques sans faire une analyse en profondeur. Or, tous les hommes politiques cherchent du pouvoir, ils sont prêts à mentir. Et si la presse ne fait pas son travail, je ne pense pas qu'on aura la paix dans ces pays. Il suffit de donner une mauvaise information ou bien de traiter très mal l'information, ça peut pousser les gens à la révolution, au désordre en quelque sorte.
Donc il faut que la presse revienne aux fondamentaux de la presse. C'est-à-dire? Il faut d'abord donner l'information, commentaire, analyse et puis orientation. Tous les quatre. Mm-hmm. Mais notre presse ne fait pas ça. Donc, il peut donner l'information, quelquefois déformée. Donc il y a un travail à faire, vous qui êtes un peu plus âgés, aider les jeunes gens à ce que, qu'ils puissent apprendre le métier avant que vous partiez en retraite. Vous n'allez pas partir en retraite et laisser les médias dans ces conditions. C'est ce que nous sommes en train de faire petit à petit avant de nous retirer sur la pointe des pieds. Merci d'être venu commenter le journal avec moi. C'était pour moi question de vous d'encourager cette, un ami qui reprend de l'aile, au lieu de le jalouser, comme il nous arrive malheureusement de le faire. Merci franchement d'être venu commenter ce journal et surtout de donner espoir à la jeunesse en qui nous croyons tous. Ce journal est donc terminé. Juste après, vous suivrez la revue de presse dans une sélection de Mouin Mroupfel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous suivre également sur le bouquet Sepela, capté dans 24 pays en Afrique et dans le monde, puisqu'on nous a appelés de Bruxelles aujourd'hui. Ça vient petit à petit. Bonsoir et à demain. Ouvrons cette revue de presse par les nouvelles du centre interdiocésain évidemment. Jour J pour la signature de l'arrangement particulier, ça passe ou ça casse, s'exclame le journal L'Avenir. À la une de la manchette, ce titre, arrangement particulier, un troisième dialogue qui ne dit pas son nom. À la page 12, l'article brosse l'historique des assises du centre interdiocésain et reconnaît à la fin que la signature de l'accord le 31 décembre n'aurait été au final que le premier round d'un combat de boxe dont l'issue est à attendre au dernier round. Round justement dont nous sommes encore très loin. Le journal peint en images à travers ces lignes un combat interminable, une bataille sans merci dont on ne connaît toujours pas à ces stades le camp qui l'emportera. Et à Congo Nouveau de s'interroger à son tour et si la SENCO proposait le Premier ministre. Le journal s'élance dans cette réflexion motivé par le fait que le choix du prochain chef du gouvernement fait partie des principaux points de blocage. Selon le journal, il s'agit d'une probable suggestion proposant aux évêques médiateurs de proposer carrément au chef de l'État un premier ministre afin de départager les deux parties. Autre actualité, c'est celle reprise à la une de la tempête de tropique qui revient sur le tout dernier soubresaut de l'épisode tragique que vit le grand Kassai, toujours dans la tourmente. Et aux dernières nouvelles, justement, ça va toujours mal et même très mal. Des policiers 42, selon le journal, seraient tombés dans une embuscade tendue par les présumés hommes de Kamuina Sampou. Seuls 6 auraient eu la vie sauve grâce à leur maîtrise du Tchouluba. Puisse la paix retourner dans ces coins du pays. Enfin, cette polémique, c'est le journal de Willy Kalingaï qui décide finalement d'en parler au moment où beaucoup choisissent de ne pas l'aborder. Il s'agit bien évidemment de cette polémique lancée dans les réseaux sociaux au sujet du pasteur-chanteur Moïse Mbillé, dont la dernière sortie dans les bacs fait furie. Polémique à l'arsenic selon Géopolis. Pour la petite histoire, les pasteurs de l'église Bethel auraient utilisé des signes jugés sataniques dans ses clips vidéo et auraient même fait usage de certains messages subliminaux dans les textes de ses chansons. La polémique constate le journal a quitté le monde virtuel du net pour s'inviter à la vie réelle. Mais tout ça selon le journal serait simple à comprendre. Il ne s'agirait selon Géopolis que d'une frustration créée par ceux qui ne se retrouvent pas depuis que le pasteur chanteur a hérité de l'église de son père. Depuis, on accuserait l'homme de tout le mot. Ses détracteurs
puisant dans ses moindres faits, paroles et gestes. Fin de cette revue. Bonsoir. Énormément de chance de t'avoir comme maman, ma maman Suzanne Yantété. Je t'aime beaucoup maman, toi qui m'as toujours enseigné et inculqué les bonnes valeurs. Tu m'as toujours montré que je devais être une femme battante. Tu m'as jamais laissée, tu es ma confidente, mon amie. N'ayant pas de sœur, tu as toujours été là pour me booster quand j'avais envie d'aller de l'avant. Quand j'ai tombé, tu me relevais. Tu es comme une lumière dans l'existence pour moi. Tu es celle qui me relève toujours et celle qui me ramène toujours quand j'ai des folies de grandeur. Tu es celle qui m'enseigne toujours la foi chrétienne. Tu m'enseignes toujours le bon... vertu, tu me montres comment vivre avec les gens dans la société. Pour ça, je te remercie, maman. Je suis vraiment heureuse d'être appelée ta fille, d'être sortie de toi, car je ne sais pas, pour moi, il n'y a aucune femme qui est comme toi. Je te remercie beaucoup, maman, et je t'aime beaucoup, je te porte dans mon cœur. Mars consacré aux activités de la femme, au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, il était question au cours de ces cafés politiques d'établir sur les processus évolutifs de la femme. Les femmes devraient s'inspirer des autres femmes de référence et s'impliquer pour le renforcement du pouvoir de cette dernière. L'autonomisation de la femme devrait mettre fin à cette fragilisation de la femme parce qu'à ce moment-là, elle devient fragile. Ainsi, ces chômeuses d'hier et ces ignorantes d'hier deviennent aptes à produire un travail qui est payé. C'est surtout ça l'autonomisation. Et un travail qui donne, qui apporte et qui soulage. Et de ce fait, nous disons que le pouvoir économique de cette femme-là était fragile avant, qui n'avait rien. Elle est renforcée, elle est écoutée, elle est considérée. Par ailleurs, l'autonomisation de la femme peut se faire par la voie formelle, c'est-à-dire par les études. Une voie très très importante où nous allons nous pencher pour ce sera. Donc, sans exclusion, les études sont la clé du succès et du bonheur dans la vie. Il faut étudier le plus possible pour apporter à soi-même, à sa famille, à sa communauté et à son pays beaucoup plus que ce qui est possible. Hélas, aujourd'hui, la déperdition scolaire des filles est très importante, surtout dans l'arrière-pays et dans les zones de conflit armé. Nous savons aussi que les stéréotypes sexistes contribuent énormément à la déperdition scolaire des filles par leur principe de réserver des études aux seuls garçons. Donc les stéréotypes sexistes, c'est souvent des réflexes qu'il faut bannir et qui sont très importants en ce sens que quand un homme intervient pour défendre les droits de la femme ou bien les obligations de la femme, c'est beaucoup plus crédible. Quand une femme le fait, on dit qu'elle est complexée, elle veut ressembler aux hommes, elle fait ceci, cela. Donc moi j'apprécie toujours quand les hommes prennent fait des causes pour la femme. Et nous pouvons aussi dire que le handicap pour les enfants, les élèves, filles à étudier, c'est aussi les mariages précoces et les grossesses précoces qui découragent leur environnement, c'est-à-dire leur communauté, leur famille.
au lieu de se saisir de la question et d'encadrer l'enfant pour que l'enfant continue les études, ce sont des implications et autres qui font que l'enfant est obligé de tourner la page et d'abandonner les études. Donc il revient aussi aux parents de ne pas baisser les bras, de ne pas dresser les bras, non seulement d'encadrer, parce qu'il ne faut pas seulement se contenter des réparations, non seulement il faut l'encadrement, mais il faut aussi soutenir l'enfant qui vient de trébucher. J'ai une tante, j'entendais un jour une de ses amies lui demander comment se dit que toutes les filles ont obtenu le diplôme d'État. Et ma tante de lui dire, je ne laisse jamais un homme approcher ma fille. Et cette femme qui parle comme ça, elle n'est pas spécialiste nécessairement en quoi que ce soit. Mais elle a observé le milieu et elle voit comment il faut protéger ses enfants. Donc elle ne laisse jamais un homme approcher ses filles. Elle sait à quelle heure elle termine les études et elle sait à quelle heure elle y va. Ainsi, nous tenons compte de la valeur des études qui peut nous permettre de postuler de plus en plus haut et de réaliser de plus en plus et d'avoir de plus en plus de considérations par ce que nous réalisons. Des considérations qui n'ont pas de fondement, ce sont des bricolages qui se retournent souvent contre la femme. Donc, toutes ces femmes qui ont lutté pour étudier, qui travaillent, qui peuvent donner des références, parce qu'il faut aussi des références. Les filles ne vont jamais étudier si elles ne voient pas des femmes qui sont des références. Nous, quand on a été élèves et autres et étudiantes, et nous avions la référence de Golda Meir, première ministre israélienne, la référence de Indira Gandhi, première ministre indienne, et chez nous-mêmes, la référence de Sophie Kanza. Certes, la femme congolaise a connu un chemin plein d'injustices, alors que la question du statut de la femme dans la société est avant tout une question de pouvoir, une question politique. Donc, la femme devra mener des actions qui devraient mettre fin à l'injustice et aux violences dont elle est victime. La femme congolaise, qui est d'essence traditionnelle par son clan, a connu une trajectoire pleine d'injustices, partant de sa famille, en passant par le ménage et la société qui l'organise. C'est pour elle une véritable traversée du désert. La colonisation n'a pas pu changer la direction, malgré la modernisation. Dans l'actualité, les différents textes mis en place par la promotion et l'égalité de la femme et de l'homme constituent encore des actions à deux vitesses. Nous devons aussi non seulement continuer à dénoncer, mais aussi et surtout à nous organiser, nous solidariser pour mener des actions qui doivent arrêter net les violences, les injustices, la discrimination. La prise de conscience de notre être comme femme, maman, patriote, nationaliste et outil de développement de notre pays nous amène à dire que nous sommes émancipés. Ne dit-on pas éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Toujours avec le mot de vie du PPRD Ubuntu, les femmes de ces partis présidentiels, désormais armées moralement pour une parité politique dans un système démocratique.